Bonjour à tous et bienvenue sur Zelda Ocarina of Time. Ok, je peux pas rester sérieux. Bonjour à tous, c'est Zetsu76 et bienvenue sur Ocarina of Time, la suite de Zelda. Et la dernière fois... Excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que oui, nous avions... il y a un coffre ici, on voit que la boussole, il y a un coffre ici. La dernière fois, nous avions... attaqué... Excusez-moi. Non, ok. Est-ce que je peux annuler le tir? Ok, oui. Nous avions attaqué les fantômes, justement. Et là, nous devons essayer de tuer le fantôme vert, je crois, pour récupérer peut-être un autre item dans un coffre. Et le seul moyen d'attaquer les fantômes, c'est de les distraire. Pas de les distraire, en fait, de briser leur portrait et le cadre, ou du même coup, pour les empêcher de spawner dans les cadres pour pouvoir les tuer. C'est le fantôme rouge. Et là, t'as pas le choix de le prendre, donc je m'éloigne pas, j'ai pas besoin de m'éloigner. Il va falloir que je fasse un duel épique en dessous. Mais avant ça, je reviens. Alors, je suis désolé, j'ai juste quelque chose à faire avant. J'étais pas préparé du tout, excusez-moi. Ok, bon. Je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ok, bon, j'étais pas préparé, mais là, je suis prêt. Ok. C'est un épisode assez qui a commencé assez bizarrement. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais... Aïe! Là, faut que je commence par battre lui. Et c'est un petit peu répétitif parce que c'est la même sorte de combat qu'avec l'autre. Fait que je crois que je vais simplement faire une petite ellipse jusqu'à temps que je l'ai battu. À tout de suite. Ok, je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Je croyais l'avoir eu. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hop! Non! Ok. Bon, excusez-moi. Je reviens. Cette fois-ci, il est mort. Marquait juste deux coups. Ben, j'avais donné 3-4 coups. Puis là, je pensais qu'il était fini, mais non. Faut le frapper 5-6 fois à peu près. J'essaie avec les flèches, voir si ça les faisait plus de dégâts. Là, enfin, on va avoir une clé. Ouais. Ça va me permettre d'ouvrir la porte avec la clé qui était bloquée ici, juste au côté de ça. Où est-ce qu'il y avait le fantôme bleu? En haut, il y avait une porte qui était barrée. Donc, je vais pouvoir enfin l'ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a par là. Je sais pas encore combien de temps ça va prendre pour finir ce donjon. Il est beaucoup plus long que je pensais. Je vais peut-être devoir faire 3 épisodes dessus. Jusqu'à maintenant, je pense que le plus long que j'avais fait, c'était Jabu. Puis j'avais dû faire 2 épisodes parce que l'épisode était beaucoup trop long. Ça faisait 50 minutes et passé. Prends garde à l'ombre des monstres. Oui, je sais, tu m'as déjà averti. Mais c'est parce que j'ai fermé le jeu et j'ai revenu. Donc c'est ça que ça fait quand tu quittes, c'est qu'il te avertit une autre fois. Tu peux pas m'avoir. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un trou là, avec une échelle. Commencer par monter à l'échelle. Ok, ce qui m'amène ici, avec lui. Ok, déjà mort, ça a pas pris de temps. Est-ce que ça marche si je tire une flèche? Ah oui, je peux directement leur tirer une flèche. Et ça les tue, ok. Là, j'ai besoin d'une clé. Par contre, je vais essayer d'économiser mes flèches un peu plus parce que j'en ai seulement 17. Quoique je peux... Non, ça m'aura pas. Ok. Ça revient par la logique de tantôt. Il y a quelque chose à faire d'autre que ça avant. Est-ce que je peux monter? Ouais, je peux monter directement là. Donc, j'ai pas vraiment besoin du bloc pour monter. Je sais pas à quoi peut servir le bloc. À part pour à rien, parce que je peux rien faire en haut. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas de clé. Est-ce que j'ai quelque chose que je peux agripper? Non. J'ai rien, j'ai besoin d'une clé. Ok, donc je vais revenir sur mes pas et je vais aller voir s'il n'y a pas un autre endroit où est-ce que je pourrais aller. Peut-être pour... vu que j'ai les rapins maintenant. Ah! Excusez-moi, encore un téléphone. Je reviens. De retour. Donc là, ça paraît pas, mais j'ai arrêté un bon petit moment. Je t'ai rendu où déjà? Ok, je vais
juste vérifier quelque chose. Ok, j'étais rendu où? C'est quoi que je vais faire? J'arrive de là. Ah, oui, c'est vrai. Je voulais retourner. Au début, vu que j'ai l'arc, je vais pouvoir ouvrir des portes. Il y avait des portes qui étaient bloquées. Ok, oui, c'est par là. Il y avait des portes qui étaient bloquées. En haut. Fallait que je tire sur l'œil, je pense. Il y avait un œil. Je peux débloquer les portes. Il y a deux portes comme ça, je crois, à faire. Donc là, je vais aller faire ça. Parce que sinon, je sais pas où aller. De toute façon, il me faut une clé pour descendre en bas ici. De toute façon, il va falloir que je récupère une clé. Pour avoir la clé, il faut sûrement que j'aille ici. Et là, faut pas que je me plante. Ok. C'est bon. Là, j'arrive à la bonne place. J'arrive à la bonne place. Alors cette fois-ci, je vais pas faire un épisode extrêmement long. Ah, parce que l'autre fois, il était un petit peu trop long. Bah, il était un petit peu... Bah, il était pas si pire, mais... Au moins, il était pas une heure. Mais je préfère quand même faire des vidéos plus courtes. C'est plus facile à suivre. Allez. Et c'est plus facile aussi pour moi de découper ça en petites vidéos. Surtout que moi, je suis pas vraiment du genre à faire beaucoup de montage. J'ai pas vraiment de talent là-dedans. Donc, je préfère tout laisser. Et des fois, il y a une ambiance. Des fois, je parle beaucoup aussi. Donc, des fois, j'ai des trucs à dire qui fait que je... Fait que je coupe pas parce que je parle. Tout simplement. Et que j'ai pas envie de tout réécouter ce que j'ai dit pendant l'épisode avant de faire le montage. De tout écouter l'épisode et dire, ouais, là, je coupe ça, je coupe ça. Parce que j'ai pas coupé des trucs importants. Surtout que j'ai pas un logiciel de montage extrêmement puissant. Donc, mais c'est pas grave, je crois que ça fait l'affaire. J'ai pas besoin vraiment de faire un montage extrême. Je suis pas vraiment de ce genre-là. Ok, donc là, il y a deux lumières d'allumées. Deux lumières d'allumées, et je crois qu'il faut que j'aille par là. Si je me trompe pas, et il y a un œil juste là. Juste que je vise comme faut. Là, je devrais l'avoir. Ouais! On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Avec un peu de chance, peut-être les deux autres fantômes. Ok. Bon, on est déjà venu ici. Ok, c'est là que j'ai été dans le puits là. Là, il y a quelque chose là que je peux aller prendre. Peut-être une clé. Que j'avais pas pu prendre la première fois. Parce que je l'avais pas vue. Parce que j'avais sauté dans le puits. Ce qui m'avait ramené l'autre côté. Parce que les deux côtés, dans le fond... Le côté nord-ouest et le côté nord-est sont reliés par le puits qui est là, que j'avais drainé l'eau, si vous vous rappelez, dans le dernier épisode. Donc voilà. Et où est le... Ok, t'es là, toi. Allez. Attendez, faut que je vise bien. Ok, un autre sculptas. Sculptula. Toujours de la difficulté à prononcer ça. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai toujours pensé que c'était le contraire. Hey, je veux plonger dans l'eau. C'est pas creux. Je crois pas qu'il y a grand chose d'autre à faire ici. En plus, c'est même pas une clé que j'ai récupérée, donc... Je sais pas à quoi ça peut bien servir de... D'utiliser l'arc... Pour venir ici. Quoi qu'il y ait quelque chose en haut là. Une porte. Mais la porte, c'est jamais la porte d'où je venais. Quand j'ai sauté dans le puits après, je crois. Parce que j'étais en hauteur. Non, j'étais plus par là-bas. Donc je peux aller dans cette porte-là. Mais cette porte-là, je peux pas y aller. À moins que je retourne de l'autre côté. Ah, mais c'est peut-être la porte, tout simplement, qui est dans le milieu. Ok. Bon, ben, je vais regarder ailleurs comme ça. Ici. Laissez-moi le temps. 2 secondes. Ok. Je vais le trouver. Je vais finir par le trouver. Là. Là, je vois pas bien. Je vais monter en haut. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Ok. La seule option qui me reste, c'est d'essayer de trouver une clé. Clé que j'ai pas. Est-ce que j'ai ouvert le coffre? Parce que je parle en même temps. Mais si ça se trouve, j'ai même pas ouvert le coffre.
Mais je suis pas mal sûr que j'ai ouvert et que c'était probablement des rubis. C'était des rubis, ok. Donc la clé, il me faut une clé, je sais pas où la prendre. J'ai fait le tour, presque. Je crois pas que je vais retourner au début. Je sais quoi qu'il y a d'autre par là. Y a rien, j'arrive de là. C'est là avec les fantômes et tout. Là c'est où est-ce que je parlais, à moins qu'il y ait un endroit que je dois aller que j'ai pas été encore. Je peux retourner voir là, sinon je vais retourner voir en haut. On va explorer ça un peu ensemble. Et si jamais, après avoir fouillé ces deux endroits, je me rends compte, eh bien, que c'est pas là du tout, je vais devoir faire une ellipse. Et l'autre, comment il a fait pour me toucher trois fois de suite? C'est vrai qu'ils sont géants, ceux-là. Ils me touchent plus souvent, en fait. Ils sont plus grands. Est-ce qu'il y a moyen que je pogne ça? Excusez-moi, je vais juste vérifier quelque chose. Ok, c'est bon. Et tout va. Il y a pas... Je peux pas le toucher, lui. Faut que je monte en haut. Mais comment je préfère pour monter en haut? En passant par... la porte. Justement, la porte là-bas, parce que ça monte en haut. Où est-ce que j'étais tantôt? La porte qui est barrée par une clé. Peut-être que c'est là. Ou peut-être aussi que c'est ici. Parce que là, ça monte. Et que j'ai pas vraiment exploré là. Il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué. Il y a quelque chose qu'il fallait que j'active avec mon arc. Alors, je vais retourner voir. N'importe où. À part lui, là. Ok. Celui, ça l'a pas achevé en un coup. Ceux qui prennent juste un coup, ça les achève en un coup, les verts. Mais les bleus qu'il faut deux coups. Ok, non, je suis ici. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Il n'y a pas, de truc à activer. Il n'y a rien dans le plafond. Eh bien. Ah, je voulais pas tirer de flèche. J'avais essayé de l'annuler, mais ça a pas fonctionné. Hey. Ok. Touché. Ok. Donc, j'ai aucune idée où je dois aller pour l'instant. Donc, je vais explorer un peu tout seul le temps que je trouve et je vous retrouve après. A tout de suite. Donc, je pense avoir trouvé. Il y a un truc ici qu'on n'a pas activé. On avait utilisé une clé, mais on n'avait pas activé ça. Alors, pourquoi il y a ça au-dessus? Ah! Alors, ça redressit le couloir tordu. Ok. Alors, ça m'a pris extrêmement de temps fouiller ça. Hein, ça paraît pas comme ça. Mais ça a été très, très, très long. Au moins une vingtaine de minutes à faire le tour. Avant de remarquer qu'il y avait un œil que j'avais pas cliqué dessus encore. Et c'était juste pour la clé du boss. Ce qui m'aide pas, j'ai besoin d'une petite clé, pas d'une longue clé. Hey! Ok, toi t'es mort. Voilà, ça c'est fait. Je m'en débarrasse comme ça, ça va beaucoup plus vite. Je suis jamais venu ici encore, je crois. Peut-être que ça m'a ouvert un autre passage en plus de la clé. Oui, ça m'a ouvert un autre passage. Okay. Là, y a rien. Là, y a des cœurs que je devrais aller chercher. En plus, y a une scutula d'or. J'avais peur qu'il fasse une roulade en atterrissant. Voilà. Une autre de plus. Ok. Donc cette porte-là, on n'était pas encore allé. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et je voyais des portes en hauteur que je n'étais même pas capable d'avoir accès. Et ça m'amène juste ici. Ce qui a servi absolument à rien. J'ai la clé du boss.
Mais quoi peut bien servir la clé du boss sans boss? Ben pas sans boss, mais... Vous savez ce que je veux dire. Je veux dire, sans avoir... J'ai pas accès à la clé... au boss encore, donc même si j'ai la clé, je veux dire, je peux pas ouvrir la porte. Il faut quand même que je trouve les deux autres fantômes. Donc ça m'aide pas vraiment d'avoir cette clé-là. À part qu'on a découvert... on a la clé au moins. Il faut quand même que je trouve un moyen d'avoir les deux autres fantômes qui doivent se trouver l'autre côté. Mais comment je fais pour avoir accès à l'autre côté? Je veux dire, y a-t-il quelque chose à se gripper dessus? Je crois pas. Je peux toujours essayer. Ça marche-tu? Non. Ok. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin bref, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais essayer de trouver la suite, de trouver quoi faire dans le prochain épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.